25e finale du tournoi international Émile Paré, challenge René Vignon, OGC Nice, Montpellier Hérault Sporting Club. Allez, allez. On va bien sûr vous présenter tous les joueurs. Ils ont mérité cette finale, ils ont fait un très très beau parcours sur 3 jours. Quelquefois c'est passé avec un petit peu de chance, mais il en faut dans une carrière de footeux. Donc, mais il y a quand même beaucoup de talent. Et on n'est pas loin d'avoir les meilleures équipes en finale. Je voulais quand même aussi vous présenter votre quatuor d'arbitre qui va officier pour cette finale. N'oubliez pas que sans eux, ben, le tournoi serait peut-être un peu moins rigoureux, un peu moins propre. Et du coup, merci à nos arbitres, on peut les applaudir. Je vous les présente. Monsieur Cachateau, Monsieur Vlay, Monsieur Vapillon et Monsieur Martinec. S'il vous plaît, applaudissez-les. Oui, ça doit s'applaudir, les arbitres. Merci. On va commencer par vous présenter les joueurs de l'OGC Nice. Numéro 1, Mathieu Pastorelli. Numéro 2, Monsieur Joseph Giovanni. Numéro 3, Monsieur Nefati Hamid. Numéro 4, Monsieur Abdallah Zedine. Numéro 5, Monsieur Yemka Jolil. Numéro 6, Monsieur Sanchi Zoubo. Numéro 7, Monsieur Bustamante Joris. Numéro 8, Monsieur Ajroud Alice. Numéro 9, Monsieur Fournion Simon. Numéro 10, Monsieur Brazao Pedro. Oh, on est venu avec des potes ou quoi? Numéro 11, Monsieur Richardson Michael. Numéro 12, Monsieur Sassi Rian. Numéro 13, Monsieur Mewas Alexandre. Numéro 14, Monsieur Badalassi Tony. Numéro 15, Monsieur Rato Maxime. Et numéro 18, Monsieur Alexander Sam. Les responsables du club sont Monsieur Jean-Marc Sabatini et Monsieur Alexis Luzolo. Et leur petit responsable gignacais, c'est Mathis. Pour le Montpellier Hérault Sporting Club. C'est tout, il n'y a pas de supporters là? Ah, quand même. Numéro 1, Romain Poulot. Ouais. Numéro 2, Monsieur Wafsa Habib. Ouais. Numéro 3, Monsieur Claudia Enzo. Ouais. Numéro 4, Monsieur Noël Léo. Ouais. Numéro 5, Monsieur Algren Tony. Ouais. Numéro 6, Monsieur Azamoun Didan. Ouais. Numéro 7, Monsieur El Kadouri Bilal. Numéro 8, Monsieur Kouchara Santino. Numéro 9, Monsieur Benachour Adil. Numéro 10, Monsieur Delaïs Sacha. Numéro 11, Monsieur Kenoub Maxime. Numéro 12, Monsieur Yanis, il me dira. C'est difficile quand il y a, je ne sais pas. Monsieur Picavé Clément, numéro 13. Numéro 14, Monsieur Djouri Dani. Numéro 15, Monsieur Saïd Amin. Et numéro 17, Maxime Esteve. Le nom du responsable du Montpellier Hérault Sporting Club, c'est Romain Pitot. Et le petit délégué gignacais, c'est Flavio. Allez, nous allons faire place à cette belle finale. Nous aurons le temps de vous présenter l'ensemble des acteurs de ce tournoi tout à l'heure. On va demander à M. Leonardi, président de la S Gignac, et M. Robert De Vita, premier adjoint à jouer au sport de la mairie de Gignac-Tanère, de venir nous faire le plaisir de donner le coup d'envoi. Dans un remarquable élan technique, une de ces passes en profondeur dont ils ont le secret. Merci aussi bien sûr à la province qui nous a donné un bel article ce matin, il y en aura un demain. Et M. Auguste de la Marseillaise nous fera aussi un article demain dans les journaux. Mais place au foot.
Allez, mon frère, allez, vas-y, Mino. Lui, là, il faut le bloquer, lui, voilà, il faut le bloquer, là. Viens, Mino. J'ai pas envie que les gars. Je pense que c'est mon boulot qui a marqué, je sais pas. Lamine, c'est quel numéro qui a marqué? Petite précision importante, la finale se déroule en 2 fois 20 minutes. 2 fois 20 minutes. Allez, Hop! Allez, les gars, allez!
Je dis non, c'est pas ce que tu fais.
Joue, appuie-toi, de suite. Trop tard. Là, il est seul. Va l'aider! Va l'aider, putain, va l'aider! Ah, j'enlève la caméra, faut pas trop crier. Il n'y a pas le deuxième là.
Elle fait les montées. Pénalty. Allez, on ressort quoi. Et de venir au portail. Il va tirer à gauche.